à la café Retiro, à Popayan en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. Arthur Schopenhauer, philosophe, 1788 à 1860. Au fil des jours, de plus en plus de gens commencent à approfondir ce qui se passe réellement. Au début, les gens ridiculisent tout ce qui ne correspond pas aux informations diffusées sur les médias traditionnels. Je suis convaincu que la crise financière et économique mondiale et les cataclysmes planétaires sont bien et évidemment ici. L'apocalypse est là et c'est exactement ce que, dont l'humanité a besoin jusqu'à présent. Notre quête spirituelle était dirigée vers un dieu extérieur, le dieu de l'illusion. Nous avons été maintenus dans un état de soumission et de peur, les principales conditions préalables à l'esclavage. L'élite a un plan magistral qu'il déploie lentement depuis des années. Ils sont très patients. Et l'humanité ne peut pas voir ce plan magistral se dérouler parce que chaque étape qu'ils ont franchie jusqu'à présent a pris la forme d'une pointe de pied. Cependant, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de marcher sur la pointe des pieds et un bond de géants dont donc été fait sur la forme de COVID-19. Quand j'ai découvert le coronavirus pour la première fois, j'ai immédiatement su. Je ne soupçonnais pas que c'était la fin du jeu. Je savais. J'ai commencé mon réveil au début de 2002 et j'ai essayé de manière très agressive de communiquer ce que j'ai appris sur la création d'argent à partir de rien et ce plan magistral à ma famille, mes collègues et mes amis. J'étais un peu ridiculisé, mais surtout ignoré pendant 18 ans. Je connaissais ce plan magistral diabolique. Pour asservir l'humanité, mais je ne savais pas comment il pourrait le faire. Probablement, 99 de la population est complètement convaincue que les informations des médias traditionnels sont la vérité. Le fait de suggérer le contraire entraîne le ridicule. Par, comme mes proches me l'ont rappelé régulièrement. 99% des gens ne peuvent pas se tromper, n'est-ce pas? Je suis heureuse que ce jeu final ait enfin commencé. Les événements qui se dérouleront à partir de maintenant forceront de plus en plus d'individus à se réveiller. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour entrer dans la deuxième étape de l'opposition violente. 99% de l'humanité continuera pendant un certain temps à essayer de protéger leur monde illusoire. Je ne dois pas attirer l'attention sur le fait que la plupart des gens ne se réveilleront pas à temps. Le peu, je peux seulement continuer à travailler sur moi-même et faire ce que je peux pour transmettre la vérité. Ce qui suit est la vérité. Le pouvoir spirituel et le pouvoir Temporels sont tous deux conscients qu'ils n'ont aucun pouvoir sur un individu unifié, parce que cet individu unifié est gouverné par son âme. Pendant des éons, un épais voile d'inconscience et d'ignorance nous a gardés aveugles, et par conséquent, nous n'étions pas capables de comprendre la, le véritable but de notre présence sur Terre c'est précisément l'apocalypse que nous affrontons maintenant qui pourra finalement qui poussera finalement beaucoup d'entre nous à affronter la fin du monde de l'illusion. Avec une masse critique d'individus évolués et conscients, le paradis sur terre émergera. La question est, est-ce que je souhaite participer à l'établissement du nouveau royaume et du nouvel être divin sur terre? Pour moi, la réponse est un oui retentissant. Voulez-vous me rejoindre? Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles grâce à la technocratie. Choisirez-vous de ne pas participer ou simplement d'y à l'esclavage total? Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre spécifiquement à cette époque. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Je souhaite participer à la création de petites communautés autonomes. J'ai été bénie avec du temps et j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire. Mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Si vous avez des suggestions, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Les terres agricoles sont un investissement judicieux et toujours très économique dans ces pays. Séjour ces de longue durée sur une terre colombienne 120 USD par semaine, 420 USD par mois cours d'espagnol atelier conscience de la vérité au cascade à café-retiro en anglais espagnol et en français amour infini